Premier ministre pour remplacer Michel Patrick Boisvert. Vous gardez la parole. Oui, justement, nous sommes capables de dire comme ça, c'est prochain, et ça, moi, ça très important parce que processus là, c'est première étape là qui bouclait, c'est-à-dire choix de Gary Conille comme PM qui fait par conseiller présidentiel. Maintenant, et la seconde étape, la deuxième étape, c'est pour la publication et choix ça dans le journal officiel PIA. C'est le ça, on va parler de Gary Conille comme premier ministre qui a venu succéder là à Ariel Henry. Non, à M. Patrick Boisvert comme PM AI. Alors, normalement, c'est conseiller présidentiel qui a investi dans le pouvoir, puisqu'ils ont arrêté présidentiel qui nommé eux. Dès demain, arrêté à la de sortie. Oui, c'est une simple formalité. C'est une simple formalité que t'a supposé, mais ça qui passe dans trois dernières semaines, nous capable toujours porter nous émettre des réserves dans la mesure où est décret qui détermine fonctionnement, mode de fonctionnement CPA, où est tout le temps le point pour le publier, où est décision présidence tournante là et passage de majorité à 2, 4 à 5 là, où est c'est hier que le publier. Donc, c'est-à-dire, et politique là, l'imprévisible, parfois l'igain. Alors, c'est pas le même contexte, c'est pas le même bagaille, parce que publier arrêté, décret qui dit, mais qui façon conseil présidentiel de transition pour fonctionner, pour qu'on ait une discussion sur lui, un groupe qui était voulu, il faut Edgar Leblanc, c'est lui-même qui président conseil là jusqu'à ce que 7 février 2026 là, lui-même l'irrivé, jusqu'à ce que l'irrivé, vous rappelez, il y a un groupe qui était gagné au PL, PHTK, UNI, les Clarence et Noir, il était même écrit pour te garder Edgar Leblanc. C'est parce qu'il était une discussion, mais si vous n'avez pas arrivé à entendre, et hier soir, nous avons annoncé dans le bouquin de la parole, décret à Tessien, et il était doué sortir aujourd'hui dans le journal officiel PIA, et qui dit qu'il fait, c'est ça qu'il fait là. Donc, si sur 7, 6 décidés, donc, pas gain pour perdre du temps, c'est. D'accord, avant. C'est vrai, bah, José Pierre-Louis, pour le vrai, bah, Ronald Saint-Jean, de demain, parce que Gary Conille dans route là. Gary Conille Jamaïque, moi quoi Ligue en Saint-Domingue, Ligue en Saint-Domingue et Gary Conille de Haïti de demain parce que c'est prochain premier ministre pays là. C'est prochain. En attendant, il pour le former gouvernement. Oui, merci pour rappel ça qui très juste rappel qu'on fait parce que m'bat tout regarder ça, c'est ça parce que tu as une discussion aujourd'hui sous présidence tournante là. Mais sous Conille là et c'est 6 sur 6. Alors, 6 sur 7, parce que c'est 7 qui doit voter, Guillaume qui est sauvé. 6 sur 6, c'est 6 qui était là, je veux dire. Mais non, il y a contrôlé quand même. Oui, 6 sur 7. Qui parle là? Ça qui parle là? Je vais prendre son petit lit qui est malade. Oui, c'est ça. Mais au moins là-bas, il pas lit. Oui, c'est ça qui m'a pris. Peut-être qu'il a fait un coup politique. Comme blanc, qui doit essayer de garder. Monsieur Thierry, ça va me dire là. L'international, qui doit essayer de garder qui est-ce qui vote, qui est-ce qui va voter. Bon, mais dans le niveau ça. En tout cas, moi, gain. Comme parents, moi, d'accord, c'est parents. Nous tous là, c'est papa. Nous tous là, c'est maman. Mais il y a des décisions, il faut faire sacrifice pour eux. Et il y a deux conseils présidentiels que je parle avec eux qui disent ça, que vous dites là. C'est-à-dire que c'est un problème familial. Et il y a un conseil présidentiel qui dit que vous comprenez ça. C'était un problème familial qui est tombé. Les bas d'atteindre à ça. Donc, je dis à même, si vous êtes malade. Bon, il est obligé de partir. En tout cas, si tu n'as pas même explication, grand monde nous fait sauver. Mais, quand on arrive dans la vie, priorité à deux pays. Ok? Nous avons un pays qui est malade, nous avons un pays qui est plongé. Et parce que, prévalent des bagailles, pour faire politique en Haïti, il ne faut pas gagner tout le monde. Il ne faut pas gagner petit. Ok? Pas un qui m'a dit que c'est père de famille, sensible. Non. Radio Mix. Pas un qui m'a dit que c'est père de famille. N'a parlé de un pays qui a toutes difficultés. Joe Biden,
président des États-Unis, petite li la justice la fait campagne. Mais sauf que li font tweet, li dit petit moi, c'est petit maro. Ok? N'a pas les pays. Par quel monde, il va demander quel monde pour pas sensible à foyer ou. Il va demander quel monde pour pas sensible à foyer ou qui lève votre la fête, qui l'a ou parti hier. Certainement, sous parti hier, comme si c'est pour moi qui t'es pas. Oui, il a mérité présence, oui. Mon dégager la distance. Mon dégager la distance. Je ne restais pas président parce que madame Préval est petite. Parce que madame Préval est caille à l'étranger. Pour moi-même, excuse la bakembe. Ok? Excuse la bakembe. N'a pas entendu ce qui était famille après. Mais pour moi-même, personnellement, excuse ça par Kembe. Gen moun kap di tout, gen moun ki ap kap di pandan di li ba Kembe, gen moun kap di Ismaël mba et famille li la famille est au dessus de tout bagage. Par exemple, bal bon des exemples concrets et même si c'est deux champs différents, c'est champ professionnel mais champ politique. Là, nous un champ politique pur, Laurent Saint-Cyr sont un terrain politique qui délétère. Ça me parle pas, c'est exemple, monsieur football, yo, monsieur basket, yo. Et, par exemple, récemment, là, et pour monde qui suit, cap suivre NBA, et puis gauche, on a basket dans le monde, là, qui fait aux États-Unis. Ou dit Gobert joue playoff, ça nous les matchs éliminatoires, il était game 2 pour la jouer, et puis, les gains ont imprévu familial, staff là, staff équipe là, coaching, etc., dirigeant, propriétaire, c'est, on est capable toucher 150 millions par an. Mm-hmm. Sont multimillionnaires, qui a payé sac l'argent chaque mois, mm-hmm. pas de 44 millions par mois, par 44 millions par année, mm-hmm. annuel, l'argent annuel. Li. Et puis, il est autorisé à jouer une famille pour gérer un imprévu familial. Mm-hmm. C'est-à-dire que. C'est la même bail, même. Non, c'est la même réalité, même, non? Non, il semble. Non, il va sembler, mon cher. On a parlé d'un pays, mon cher, d'équipe football a joué. Gain moun ki la, qui estime qu'il a remplacé jouer ça, mon cher. Pas non. Mais non. On a parlé d'un président. Non. On a parlé d'un pays. On a parlé d'un président. Attendez. Non. Ça cap dit là le très sérieux, ok? Ça cap dit là le très sérieux. M'y a petit tout, ok? Pas que moun ka rentre ça dans tête, moi. Ça a plutôt le vina pour l'autre explication. Ok? Ça pas qu'un bé. C'est d'équipe basketball qui a joué. Chaque moun fanatique, les 15. Chicago, ok? Il y a deux équipes de basketball qui ont joué. Mais nous avons un pays. Tout le monde dit qu'il y a un premier ministre. Soit dit Gobert là qui n'est pas là ou remplacé là. Et M. Saint-Cyr a estimé que nous sommes 9 conseillers présidentiels. Si nous sommes là, ça ne va pas déranger marche, ça ne va pas déranger structure là dans son fonctionnement. Ça, c'est une analyse. Oui. Qui était Laurent vient parler. Qui était Laurent vient défendre tête lui, ok? Nous espérons que Laurent vient défendre tête lui. Mais il faut Laurent qu'on a qui ça rentre. Il entre dans barre politique qui gagne un pays là-dedans. Qui était Laurent vient défendre tête lui. On bat football. Maman petit ou malade ou pas jouer pour Henry. M'a baille petit moi. Pas la gueule, pas la gueule. Non, c'est pas dit comme ça. Non, pour que je ne pas dit ça. Non. Pas fait semblant de défendre Laurent, non? Non, pas dans défendre quelqu'un. Non, pas fait semblant de défendre Laurent. Dommage, je vais blesser sur terrain ça. Attendez. L'autre dit bah. L'autre dit bah football, bah basket là. Nous sommes capitalistes, propriétaires, Timberwolves, sont multimilliardaires, les mon ami. Justement, c'est compliqué en jeu. L'idée qui doit parler. Il aurait pu s'opposer. L'idée qui doit parler à football basket. Non, l'idée qui doit jouer. C'est parce que nous connaissons le monde capitaliste nous-mêmes. L'idée qui doit parler. Attention, oui. Il n'y a pas de danger là moi-même. Tu as opposé. L'idée qui doit dire il n'y a pas de danger là ou pas de déplacer. Parce que son contrat ne sien. Ouais, comment facile? Oui, mais on a nous, nos pays. On a nos pays. Elle dit, avec facilité, on est levé. La loi petite, qui est malade, avec facilité. Mais qui ça a besoin? Laurent pas besoin en dedans. Laurent pas besoin en dedans, CP, puis soin, puis pension petite, de l'hôpital, non? N'a pas de l'hôpital, non? N'a pas de pays. Bref, ok? En tout cas, lui-même, là, il y a une explication, ça fait, il pas là, je dis, mais ça que certain, sur 7 monde qui doit voter, il y a 6 secteurs qui fait choix Gary Conin. Donc, pas bien par l'empile, nous avons entendu pour certainement payer avancer Junot Jean-Baptiste parce que 6 secteurs, pas mal de opposition, ils ont entendu, ils ont fait choix Gary Conin. Tout à fait. Et je crois que vous avez supposé aller très vite.
c'est 6 sur 7. Et 6 sur 7, donc, je ne sais pas quoi gagner. Jusqu'à cette présente minute, il y a une contestation interne, il y a des querelles internes qui pourraient entraver bonne marche pour ces processus-là. Sauf que, je dis, nous sommes capables de dire qu'il y a 3 bons pas qui franchis. Et dans le cadre de travail, CPA a pour le faire, pour mener la transition. Nous avons un décret sur le fonctionnement à publier. C'est-à-dire, aujourd'hui, le Conseil présidentiel a gagné existence, nous sommes capables de dire juridique, juridico-légale. Ça que un pile monde, un pile observateur a demandé depuis un mois, et nous-mêmes, dans le micro, ça nous dit ça là. Eh bien, le fait aujourd'hui, un décret a publié, décret qui consacrait le mode fonctionnement et CPA, le publié aujourd'hui. Et puis en même temps, CPA, exactement un mois, deux jours après, mon conseil présidentiel là, fin prend fonction, eh bien, il a désigné Premier ministre là. C'est vrai, tu as commencé à gagner des grognes au niveau de société, hein, au niveau de la presse également, par rapport à CPA qui était bah, l'impression depuis 2 à 3 semaines, comme quoi il a tout le temps devant eux. Or, nous connaissons que il n'a pas tout le temps devant eux, il n'a pas une éternité devant eux. Fuck you. Agir vite, faut que tu comprennes urgence moment. Maintenant, le choix de Gary Conille est fait. Le temps que je souhaite dire là, et pays à attendre publication arrêtée à Ismaël dans le journal PIA. Et nous capables de dire les grandes manœuvres, les grandes tractations pour l'accélérer durant ce semaine ça et même pendant le week-end, même si il y a gagné un conseil présidentiel qui dit qu'on va aller très vite. Gary Conille devrait rentrer au pays incessamment pour que nous montions un gouvernement compétent pour attaquer les grands chantiers consignés dans l'accord qui créait CPA. Radio mais c'est clair que gain passe à franchir, c'est très bien. C'est très bien parce que nous croyons que comme journaliste mais comme citoyen également et nous supposons réussir transition ça. Et les 32 mois d'Ariel Henry, c'était en charge. C'était très dur pour la République, à tous les points de vue. Gestion macro, PIA, gestion PIA au niveau micro, c'est un désastre à tous les niveaux. Maintenant, place à Gary Conille pour choisir des mondes qui sont capables pour monter terrain, même si entre toi et moi ne nous voilons pas à la face. Ismaël nous connaît, ce sont les parties prenantes avec d'autres groupes qui parce qu'il faut bien ouverture quand même. Ce sont les parties prenantes qui pourront désigner et la grande majorité des ministres pour venir monter et pour venir entrer dans le cabinet ministériel là, même si nous connaît que n'en a pas des ministères que pour pas fausser concurrence électorale qui pourrait gagner 2025 là, pour pas fausser bataille électorale ça, il y a des ministères qui sont pas capables à la gagner dans la main de partis politiques. Sauf que à partir de demain, les grandes manœuvres, les grandes tractations vont démarrer pour qu'on ait qui est-ce qui pourrait monter terrain, comment parti pour dégager, pour partager pouvoir, pas parti politique seulement non, mais également et groupe économique, secteur privé qui est en dedans, CPTA, et m'a regardé là, c'est peut-être une première, à l'issue d'un histoire PIA, et Jean-Rodolphe Joisil qui font tweet, qui félicite Gary Conille pour victoire lui, et lui dit, et PIA, bonne chance, moi, Alex Didier Fizeme fait également la même chose, lui félicite Gary Conille, et dit PIA, et dit lui-même, il était un patriote convaincu, c'est un très bon signe que les gens qui étaient en liste pour une PMU ont accepté que tout le bagage est bien passé et sans magouille. Je suis capable de dire comme ça, peut-être entre guillemets, mais les 6 membres du conseil présidentiel ont choisi par consensus. Peut-être que Valécine Tabien Mégéon bientôt qui expliquait nous ce qui va écarter 4 lotes.
qui ça qui joue plus pour Gary Conné, pour ça c'est Gary Conné, il pas Fritz Belizer, pour ça c'est Gary Conné, il pas Rojoisil, pour ça c'est Gary Conné, il pas les consensus ni autour de Gary Conné. Yo joue ni autour de Gary Conné et puis ça fait ça, c'est ça. Il était gain 5 monde dans course là, donc c'est autour de Gary Conné 6 président joue un consensus. Donc il y a un critère quand même qui ont été mis sur table là. Critère ou pas, mais yo joue un consensus autour de Gary Conné pour avancer. Qui est Gary Conné lié, lui non c'est Gary Conné, li fête 26 février 1966, li gen 58 ans, li fête Port-au-Prince, li marié avec Betty Rousseau, qui c'est petit ancien ministre finance Mac Bazin, li gagne deux timoun, yon rele c'est Jimelio et Juno Jean-Baptiste, yon rele Soraya Conné, et l'autre là li même li rele Gaël Conné, li diplômé dans Université d'État d'Haïti. Et puis dans l'université et Caroline du Nord aux États-Unis, c'est lui profession lui c'est médecin, mais lui passé en bonne poste à l'étranger déjà. Juno Jean-Baptiste, Gary Conné était ministre, alors t'es premier ministre pays d'Haïti sous Michel Joseph Matéli, c'était 5 septembre 2011 au 16 mai 2012. Litou, il était fait 20 jours comme ministre de justice sous Joseph Michel Matéli. Il était remplacé dans poste ça dans période là Josier Pierre-Louis, nous rappelons dans l'époque où t'es arrêté Anel Belizer, il est Josier Pierre-Louis il t'a pas le forcer le démissionner et c'est Gary Conné qui t'a pas le gérer intérimaire ministre de la justice là pendant 20 jours Juno Jean-Baptiste. Justement, et c'est au niveau de parcours professionnel, c'est un parcours qui est admirable, quel que soit côté campé. C'est un très très beau parcours, rien de relatif. C'est un très beau parcours. C'est un haut fonctionnaire des Nations Unies. Pendant la parler à Valissem, il a démissionné. C'est chef régional UNICEF pour la région de l'Amérique latine et des Caraïbes. C'est un groupe dont on fonctionne dans l'agence de l'ONU, ça, qui c'est UNICEF, qui l'a occupé depuis quelques temps. Donc, c'est un monde qui gagne une certaine expérience de l'État, capable de quitter une expérience éclair et l'expérience à la primature. Nous autres connaissons que ça a été tourné court et de profilio, pas trop matché. Et Gary Conné et Michel Martelly, et t'es gagné l'autre source de contradiction, de division également entre eux par rapport à, notamment par rapport à Jean que, équipe Michel Martelly a été voulu varier sous l'agent Petro-Caribéa, mais ça va mal finir très vite. Gary Conné t'a pas obligé bail démission parce que Martelly t'est venu presque pas qu'à gouverner pays avec Gary Conné. C'était un passage éclair, mais tout au moins, les contre l'État, et il y a un conseiller qui dit que dans l'entretien au Valestin, Gary Conné te fait montre de yon maîtrise extraordinaire de grands dossiers qui c'est des dossiers urgents en Haïti. Je dis à, et il dit que ça t'est très épaté par rapport à Jean Conné, il t'a montré une maîtrise malgré nous connaît depuis quelques temps lié en dehors de la République, mais il t'a montré une maîtrise de urgence, les grandes urgences du moment. Nous connaît que la parole d'Haïti dans ce contexte précis et a confronté des défis énormes, et quel que soit monde qui parle monter terrain, Conné comme chef d'équipe, comme PM qui parle monter terrain, déjà connaît son terrain qui est difficile. C'est pas un long fleuve tranquille, et y en a pigou bagay Conné gain pour l'apprendre de lui, quoi que c'est expérience Ariel Henry qui t'es quoi, c'est maître temps, qui t'es quoi, c'est un maître politique, il c'est pigou roi politique en pays d'Haïti. Il vient là, il simaille sanctions sur le secteur privé, sur le politique. Vous voyez, il fait 32 mois là supporter les nouvelles, comment il a route, comment il voit dans les poubelles de l'histoire. C'est ça. Et donc Gary Conné, je dis à lui-même, nous croyons que lui doit regarder sur ça, parce que nous connaissons toi et moi que Gary Conné, il est très bien vu par une grande frange de l'international. Nous connaissons, il était chef cabinet Bill Clinton en tête CRH. Nous connaissons et
qui est très proche de la famille Clinton, Bill et Hillary. Donc c'est un monde au niveau international qui gagne de très grandes relations, de très grandes connexions. Et même si les Clinton ont des expériences malheureuses que ont associées non avec eux en Haïti, et notamment dépense l'agence CRH là, mais on espère que Guy Coney pourra le mettre au service des relations, les connexions, les guerres internationales là, pour que les domptées crises politiquement gommées que nous avons là, mais le pape fait le même seulement. Le pape fait le même seulement, il pourra le faire avec ensemble de monde qui pourra le monter, qui pourra entrer en dans le cabinet ministériel là, Ismaël. Pierre Raymond Dumas, c'est peut-être prochain chef cabinet Guy Coney, PRD, c'est ça. Guy Coney m'a dit nous, si sous moi d'ordinaire, Radio Omega, qui toujours bien informé, Jean-Ismaël Valestin, Guy Coney trouvé Saint-Domingue, et demain, Lidoué, Port-au-Prince. Vous gardez la parole. M'espérez peut-être arrêter à. Pendant la parole. Dès demain, Guetta commence avec lui là. Mais sont ces formalités. Ouais. C'est juste, nous dit, le citoyen Guy Coney est nommé Premier ministre. Et puis après sa installation. L'installation, il va travailler sous gouvernement. Yeah. Il va travailler sous gouvernement, oui. Il peut s'installer avant, puis il a pris du gouvernement. Il est capable d'installer, oui. Parce que depuis le nom, il faut le faire en fonction. Il faut le faire en fonction. Il n'est pas obligé à attendre. Parce que le monde qui est là, c'est parce qu'il peut avoir le Premier ministre qui fait l'île là. Ça fait le PM pour un petit bout de temps. PM, c'est l'abjet un intérima. Donc, je pense que si arrêté à sortir à Souéa, donc, Adi Guy Coney a porté en Haïti là, tout chef. Tout chef. La porté en Haïti là, tout chef. Est-ce que ce soit un doux qui a démissionné? Bon, je me suppose la fête. Jeudi à même. Bon, demain. Jeudi à la il y a une garantie. Parce qu'il a peut-être avant le demi-avant. Mais il n'y a pas qu'à avoir dit, ah, mais c'est une défaut. Nous pas choisi Guy Coney. Vous comprenez? Mais il faut arrêter à sortir tout. C'est des gens qui sont coquins. Vous gardez la parole? Ben, gars, bon. On est quitté premier ministre de notre pays, qui était un bon monde, qui rencontré avec lui. Déjà, a dit son intelligent. Son intelligent, li konn ki jan pou le couler, les mis intelligent dans sens propre là, li konn les pou le couler. Donc, vous pensez ou non bel job konso pour le démissionner, son pas gon garantie nan men. Ou bon, faut gen garantie nan men. Donc, et pensez pays a pas de temps là. Pays a pas de temps. Gardez comme un consensus bien facile autour des Guy Coney. Malgré qu'il y ait des gens qui deviennent sous table, mais il y a des gens qui deviennent là, c'est ils connaissent ces figurants qui ont été. Dans ce cas-là, il y a des gens qui ont été capables comme premier ministre, qui étaient capables de placer Guy Coney. Et nous avons un droit à dire, Alice Didier faisait, mais peut-être, il a misé sous force l'argent, parce que c'est secteur privé. Et il y a des gens même qui assimilaient des pas et. Laurent, son signe comme si il lâchait Alix Didier Fizeme. Radio Omega. Maintenant, vote, pas de vote, non. Mais il y a des gens qui ont opté. Il faut qu'on vote quand même parce que je suis en engagement avec un tel. Et il faut respecter l'engagement. Donc, pas de vote. Mais il y a des conseillers présidentiels qui ont voulu. Il faut que vote là, lui-même, il fait pour un deuxième tour Naval et Nankoni. Bon. Il était 5h22, 5h20, moi déplacé de yon en compte, et puis moi m'en parle une nouvelle là, c'est choix Guy et Coney qui ont fait pour venir premier ministre PIA. M'a dit qu'il y a deux mouns, et je dis à Mabdil, il y a deux mouns qui étaient sous table là qui étaient capables de venir premier ministre. L'irélé Fritz Belizère, l'irélé Paul Antoine Bien-Aimé. Fritz Belizère, moi, peut-être comprendre li pas passé, pas parce qu'il est incompétent, pas parce qu'il est incompétent, mais moi, je voulais croire tout, moi, Jean-Charles de Konza, tout, mais là, je joue politique. Les gars, ils vont côté le sensibiliser, moun, les gars, ils vont côté, ils jouent en négociation pour faire CPA, aller dans Fritz Belizère. Ben, mais Moïse connaît. Cette structure politique en côté, il va avoir un PM comme si ou même celle qui t'a poté. Par quoi Fritz Belizère a tombé
li tombé parce qu'ils sont incompétents, peut-être li ka pas passé comme premier ministre parce que c'était une structure politique capotée lui-même seul. On a parlé de Maurice Jean-Charles, petite de Saline. Et puis deuxième monde, c'est Paul-Antoine Bien-Aimé, une belle tête. C'est pas un mauvais choix si on a choisi Paul-Antoine Bien-Aimé, mais quand même Paul-Antoine Bien-Aimé de pour elle ou c'est Ariel Henry. Peut-être c'est une raison qui fait grand pile monde qui pas voté Paul-Antoine Bien-Aimé malgré Fujian t'a porté choix, son bel choix. Bel profil premier ministre. Ou me dit ça soir Paul-Antoine Bien-Aimé gen trop rentré dans Ariel. Il gen trop rentré dans Ariel. Ça me le trop rentré dans Ariel, c'est vrai. L'équipe de Ariel toujours présent à travers 21 décembre, il est toujours là dans négociation. Mais Paul-Antoine Bien-Aimé débat ministre premier ministre là, il t'a paré gen trop rentré, gen trop monde qui était dans Ariel Henry qui gagne, qui connaît Paul-Antoine Bien-Aimé. Mais ça, Rodolphe Joisil, son bel profil, mais m'a dit nous pareil, Joisil connaît le pata privé premier ministre, ok? Joisil connaît le pata privé et premier ministre. Pour ne pas perdre du temps, parce que Pierre Bakaton, Gino Jean-Baptiste, avec une facilité, des deux mains arrêtées à sortir, il a nommé Gary Conny comme premier ministre, c'est choisi pour le moment, arrêté à sortir, il va renommer officiellement, il va un document en main, lui. C'est comme si on pile en dedans, on pile dehors. Mais si n'est pas appelé, week-end n'a pas le gouvernement, si n'est pas appelé. Oui? Je dirais mardi. Anzipito. Mon yo là, c'est pas là-bas, il y a sorti. Anzipito, c'est triste, ça me va le dire. Mm-hmm. Si Américains voulaient. Parce que les Américains. On l'a gueule cri, hein. Je dis ça, c'est dommage de le dire. Mais les Américains, Ismaël, reprennent la main en Haïti. Et. Gary Conny, c'est petit garçon. Yo. C'est-à-dire, tout ambassade américaine qui parle de la semaine dernière, là, c'est ACP à l'adresser. Parce que dit transparence, c'est au dresser un profil audio, un monde qui est technique. Il y a des esprits avisés qui croient depuis la semaine dernière, parce que tout ça fait. Match a été fini. Match a plié. C'est-à-dire que l'ambassade américaine lance un message. Et un message, il n'y a pas un signe audio. Transparence et puis un monde qui est technique. Je dis à c'est aboutissement processus là et nous regardons c'est un monde. Ou quand il y a tout pour là avec lui, c'est un monde qui est technique, c'est un monde qui passe Éthiopie dans la question de la Sous-Unie, qui passe Niger, il a géré le programme des Nations Unies pour le développement au Niger. Après Niger, il tourne là. Il vient en Haïti comme PM sous Michel Martelly. Après ça, il vient quitter Haïti. Il tourne encore en Amérique, là, Amérique latine. Dans UNICEF. Donc c'est petit un système qui a fait et défait en Haïti depuis des décennies. Maintenant, système ça, il y a des gens qui a fait jouer là sur le terrain. Mais il y a de gros acteurs qui ont manœuvré en sous-main. Parce que Haïti, ne nous voilons pas la face. Pays a bah, souverain, son bagage n'a pas dit en bouche. Mais dans la pratique, dans la réelle politique, nous voyons qui est qui a mené un jeu de politique en Haïti, américain, connaît que je dis à Nessala, soit année qui capitale pour l'administration Biden, connaît soit année qui capitale pour l'année, la mort de missionnaires, ils précipité bagay ça, je crois qu'il connaît là, parce que jusqu'à cette présente minute, jusqu'à ce matin, on regarde CNN, il y a Baudet. Il y a beaucoup de screenshots de lettres que papa écrit qui publiait dans le journal dans Missouri. Donc, bah, elle a continué à ébranler l'opinion américaine. Média a commencé à faire bagaille ça, continuer à faire dans l'actualité. Hein. Son bagaille qui dérangeait, nous, ouais, républicains, yo ramassel. Ouais, tu vas faire un meeting dimanche là, tu vas parler de ça dans le meeting. Républicains, yo ramassel, puis yo fait capital politique. Yo. Mm-hmm. Et le clan Biden comprend que dans le débat pour quelqu'un. Face avec Trump, dossier Haïti sur table là. Comment est-ce possible que Haïti là, qui tout près nous là, presque moins de deux heures de temps, ou quitter Haïti, crise là, pourri dans le niveau ça, deux missionnaires ont mouru, eh bien, Biden n'a pas qu'à permettre le luxe pour le prendre en risque pour ne pas résoudre la situation, ça, je veux dire. Où est sorti l'ambassade américain?
matin dans la métropole. Nous allons sortir matin. Alors, j'ai depuis hier, il a fait tout média. Hier, il était dans le Pacifique. C'est-à-dire, il y a de l'ordre dans le plus haut niveau passé pour que nous allions vite. CPA choisi Kony comme PM. Très beau profil. Rien à reprocher. Rien à reprocher. Même pas en balade avec Kony Bourgeon. Bourgeon parle avec lui personnellement. Même connaît. C'est un très beau profil. Maintenant, nous parlons de ça sur le terrain politique. Tout ce que je souhaite, contrairement à l'équipe de monde valistin, tout ce que je souhaite moi-même, c'est réussir la transition. Et dès le départ, nous t'ai fait toute bataille nous faire face à Ariel Henry. Parce que nous t'ai compris Ariel Henry son matoman qui pour le monde dans la farine. Et tout ça nous souhaitait avec l'implémentation de la pays. Dans la farine ou bien pays? Pays et mon à la fois. Parce que quand il a lié, Non, s'il pas répondre à lié, et puis. Oui, c'est pas donc grave, mais il pas fait ni un ni l'autre. Il pas. Il voulait payer à la farine. Il voulait payer à la farine, aller à la farine. C'est-à-dire que, je dis à nous-mêmes, dès le départ, nous cohérents, et, mais on a toujours été critique par rapport à la critique que nous faisons ce soir. On a veillé CPA, on a continué à faire critique, mais nous voulons réussir la transition, parce que moi-même, ni nous-mêmes tout, ni en pile monde qui a côté pour garder la parole, tout patron dans le pays, qui s'est arrivé, ouais. Son pays qui a marché, son pays qui a retrouvé un minimum de stabilité, son pays qui a retrouvé un minimum de sécurité. Bien sûr, on a toujours gagné sécurité, mais il faut que la sécurité à nous Kembel dans un seuil acceptable. Gagner sécurité dans New York, gagner sécurité partout dans le monde. Tout côté sur la terre, gagner sécurité, mais il y a aucun bien sécurité dans un seuil acceptable ou qu'à sortir, ou qu'à manger, ou qu'à voyager, ou qu'à prendre machine, ou qu'à aller quand on veut. Et bien moi-même, c'est souhaitable jusqu'à cette présente minute. Nous croyons que le processus qui est enclenché, il n'est pas doit échouer. Il n'est pas doit échouer. Je dois attaquer les grands chantiers. Je dois faire tout ça qui concerne d'accord là. Et peut-être, souhait pas espérer des mondes, des équipes qui sont capables. Monter terrain, et peut-être même, parce que mon groupe de jeunes qui a demandé là pour monter terrain à Henry. Ou pas, je me connais, parce que il est important pour que il y ait de nouvelles têtes qui montent terrain politique là. Ah, c'est le job à demander là? Non, pas job, non. C'est que le candidat. Ah, ok, ok. Candidat. Ok. C'est-à-dire que moi, tout va être comme mon électeur, puisque le candidat qui me prend job. Oh, bon. C'est-à-dire que je crois que le Parlement a besoin de nouvelles têtes, de nouvelles figures, de nouveaux visages. C'est-à-dire que moi, même son belle tête. Son belle tête. Si je me dis que je suis député, par exemple, je crois que Henry a gagné un pile de bagages pour gagner dans ça. Henry a beaucoup à gagner dans Juno qui voulait venir député Henry. Pour porter une parole essentielle, une parole substantielle sous le nécessaire remodelage de la République. Parce que pendant la fête débat ça pour nous dire pour transition réussie, Valestin. Puis qu'on n'a jamais perdu de vue que problème haïtien, au-delà de problèmes politiques, environnement, problèmes culturels, ils sont problèmes économiques. Ils sont problèmes après, avant toute bagaille économique. Richesse, pas partagée dans le pays. Quand tu groupes qui met toute bagaille pour eux, et tu groupes ça, ils t'ont tenté la varie pour contrôler. Nous qui parle PM non. Pour moi, c'est une victoire. Je ne pas dire qu'il n'y a pas contre l'économie. Je ne vais pas dire plusieurs grandes figures dans un petit groupe oligarchie économique. Mais ce n'est pas grave, non, Gino. C'est pas grave. C'est moi-même. Moi, je suis un qui a fait critique de mon Zayo. Je ne parle pas comme ça. Je ne parle pas comme ça, non. Partout dans le monde, on va régler l'établissement. Ok. Qui l'a. Establishment ici. Non. Quand tu groupes n'est qu'à faire l'argent, acheter le vin. Ou bien doit parler, mais j'ai abri la belle. Mais c'est contrôler le pays, oui. Il contrôle tout secteur dans le pays, oui. Mais ça fait payer. Il faut payer à marcher, il faut payer à. C'est là qu'il faut payer à. C'est là qu'il faut venir. C'est pas grave, non? Establishment américain. Puis on pense que Biden a une tête, lui, non? Mais il a investi milliards aux États-Unis. Ne cap investi milliards par là, faut qu'on garantisse de l'argent là lui-même. Moun sa yo aller dans production. Moi même ça pour mais vous lui. M'a regardé là pendant CPA prend décision ça, Juno Jean-Baptiste. Ici gon hypocrisie enragé. Et faut qu'on intelligent pile Juno Jean-Baptiste pour pas prendre un bluff nèg ici avec famille ici.
toujours mes premiers exemples. Gagnez Wesley Polycap avec Andris Richer, deux sénateurs OPL. Mais est-ce que Wesley Polycap c'était membre OPL? Je ne connais pas. Mais dans le contexte là, comme Wesley Polycap était candidat, pour te faire échec à Préval, il était voté Wesley Polycap dans la place Naoun Marcellus. Et puis il est arrivé dans le Sénat. Et puis, d'un côté, bloc OPL là pour aller voter. Wesley Polycap pas voté avec OPL. Mm-hmm. Nous invité du jour Valérie Numa poser Wesley Polycap en question. Ça fait le pas, il pas avec Andris Richer. Wesley Polycap dit Valérie Numa, pourquoi ça Andris Richer pas de voter avec tout? Ça dit pas parce que Andris Richer fait on premier mandat, c'est premier mandat, Wesley Polycap, côté Andris Richer pour aller là pour le mener. Il dit pour ça, c'est pas même l'idée de voter tout. Sauf que vous me dites, qu'on coupe mon ici, m'a suivi mon yo. Qui en silence, moi, pourquoi faire tout pour vous salir, Gary Conny, parce que pour ne pas me connaître pas dans CP, pour ne pas me connaître pas dans CP, mais je vous dis à ce gars de téléphone, quand c'était groupe mon politique, pas de jambes de même, du tout. Cap salier. Le choix raconter, non? De Gary Conny. Tout moi là, ma pas de tout moi là, non? De figure politique. Côté OTI. Oui, côté OTI. Je tape V, man. Mais que si son hypocrisie, man. Mais vous battez dans CP, non? Vous n'avez pas jamais dans CP, non? Vous n'avez pas jamais dans CP. Même parce que c'est bon pour la démocratie, hein? Pour organiser l'élection. Même d'après le Zumbaré et Gino Jean-Baptiste, parce que là, Gary Conny a une responsabilité. Il faut venir là mettre base là pour aller vers le développement pays. Trop de monde a pris le pouvoir en Haïti. Il faut créer business en dans pays. Il faut partir sur une base. Je dis à Lavalas, petite Dessaline, aide qui vient là récemment, mais qui prouvait sous terrain, ils sont grosses structures politiques. Parce que Claude Gampil mon appel. Absolument. OK, son gros structure politique. Montana qui pour structure politique ou qu'a considéré comme une société en structure dans société civile là ou pas qu'a fonctionner sans lui. Il y a des monde qui ont contact qui ont des relations. OK, tout monde là une relation. PHTK malgré tout son reproche Michel Matéli ou pas capable mettre Matéli dehors. Il verrouille système là, il verrouille système là. Et il y a bandi légal li à terre. On va traiter bandit légal par Matélio. On va mettre le honnête. Il faut traiter avec elle. Nous avons chance ça aujourd'hui. Tout le monde s'est réuni sur une seule table. Qui a rien à rien de faire lui-même. Qui a rien à rien de faire. Je dis nous avons une bagaille. Pas occuper le monde qui est qui dit qu'il y a une cassation. Blanc Paris, quelle autre option encore? C'est fini. Et pas occuper le monde qui dit qu'il a crasé. Pas occuper le monde. Il va craser. La craser. 7 février 2026 ou bien 6 février 2026 ou bien janvier 2026. Est-ce qu'on est next qui a fait base là pour mettre le conseil électoral provisoire? Oui, je connais. Il y a des rencontres qui ont fait là, oui. Je connais. Il y a des rencontres qui ont fait le conseil électoral provisoire. Oui, je connais. A dit pas là, on a fait discussion politique, Junior Baptiste. Il y a travaillé tout, oui. Tout à fait. Il y a fait sous temps politique là, oui. Je connais. Conseil là, il n'y a qu'une division. C'est Mounio et la Pontita. Tout à fait. L'homme Emmanuel Vertilin, qui sortit dans le Nord, on juge respectueux et respectable dans le Nord. C'est lui qui a arrêté Antonio Jules. Jovenel Moïse, président, ou comme ça, ça veut dire, l'on est capé l'arrêt de délégué de la Pontal. Et que tout le monde dit, c'est un juge qui passe dans le système qui n'est pas corrompu. Ok. Son gros barrage. L'on est un juge dans le système, il y a un mode de fonctionnement. Les vins croisés avec un bon nec café politique. On y a, on va l'étonner si on t'a dit, et comment tu nommes les Fridjian, 2 millions 500 000 gouttes. Côté l'argent. Fridjian, c'est gouverneur de la Banque Centrale, l'idée, oui. Claire. Le gouverneur de Banque Centrale, l'idée. Je suis en radio, mais bon, ça va nous. Allez-y, l'autre de dire, Laurent Saint-Cy, comme moi. Mais, pas qu'on est qui salgue comme business, mais elle, comme petit monde secteur privé. A dit 2 500 000 gouttes pour un big deal pour lui. Bon minimum pour nous commencer à penser. Comme si le 2 500 gouttes chiffre là. Chaque conseiller, son gros chiffre. Comme si. Moi, je ne vais pas la gueule, on parle toujours.
Non, du tout. Je ne vais pas défendre ça là, non? Du tout. Mais 2 500 000 gouttes. Mais après, je vais me dire ça, je vais dire, ma bonne. Tout ce couple là. Je ne sais pas comment trouver 9 conseillers. Non, 2021. Combien là, on a dépassé même? Et où est-ce que 20 000 dollars américains dépassent? On a le plaisir. Ouais, c'est pas plaisir, on a le plaisir. On a l'activité qui coïncide à plaisir, pas ça, ok? On parle de la plaisir. On a le droit de plaisir, c'est tout. Mais on parle de la plaisir seulement. Il y a des activités où on participe là-dedans qui coïncide à plaisir. Mais vous dépensez 3 000 pour nous deux, comme journaliste qui travaille dur. Ok, fais un kidnappo. Fais longtemps, 2021. Fais un kidnappo dans la ville là pour marcher avec 4 pour vous. Journaliste pas même qui a l'argent. Fais un kidnappo. Donc on a dit, il y a des chiffres qui attendent comme si 400 000 gouttes pour un conseiller dormir. Pour payer un conseiller. Combien 400 000 gouttes fait là tout du jour. Ça, c'est pas l'argent, mais ça vraiment. Heureusement qu'on a même position sur ça. Comment ça, on ne peut pas faire une nouvelle, on a fait une nouvelle, gros boss avec 400 000 gouttes là, moi, comme frais de seconde résidence, qui ça. Ça problème non. 3 000 dollars. Si nous n'avons pas déjà, les prendre, c'est le problème non. Mais Vertilec fait tout le temps le cap. La bévolue au cap haïtien, ça veut dire la camoun blab domi là. Mais blé, t'es tout. C'est la domi vieux Bali? Du tout. Non, m'a pas opiné sur ça. L'heure du beau parlement, t'es 400 000 gouttes. Non, l'heure du beau parlement, t'es 400 000 gouttes. Mais il y a un cas, est-ce qu'il y a un refusé comme là? Attendez, par exemple, mais c'est pas eux qui établi lui. Y'a, il va même. Et dosé ni chaque temps fin fait débat, la lakaïli. La lakaïli. Mais et dosé ni vend tête lui comme un millionnaire. Comme un qui vivait dans la vie. Y'a. Ok, m'a pas fortune ni. On ne va pas faire débat sur ça, mais c'est pas un pauvre. C'est pour ne qui est dans le Parlement comme si c'est le Parlement qui va le faire 100 000 dollars américains. Ok. Mais, et dosé n'y a pas de nommel. Ligue moi un out là, t'es bon. Jacques Mel. Port-au-Prince. Jacques Mel à Port-au-Prince, c'est plop plop. Plop plop. Dans la période de la maternité président, Ligue 3 agents ISGPN avec lui, il file l'allée. Parce que c'est bien bon. Mais où a fait le bon qui est dans le sud, qui l'a tourné? Qui l'a tourné Port-au-Prince? On est qui sorti dans le nord, ils sont cap l'abdomen, qui l'a tourné si c'est ça demain. Oh, cap Jacques Mel, pas de point Jacques Mel, c'est désert en lié. On bout de route. Donc, on lève niveau. On lève niveau pays. Nous réfléchissons petit. Moi, comprendre son petit pays qui fait nous parler ça. Partout dans le monde, ça a existé. Et je dis à me dire avec un monde. Partout dans le monde, j'ai une corruption. Partout dans le monde, tout le monde comme ça. Mais sauf que ça nous voulait. Nous mettons la corruption, pas un problème en Haïti. Parce que le secteur privé est dans la corruption, tout le monde. Là, il va dire pour renforcer la corruption en Haïti, non. Partout dans le monde, il y a corruption. Maintenant, la CAIPA nous faut que nous bataillons pour nous réduire la corruption à un niveau. Tout le monde, là, c'est acceptable. Il y a corruption dans le Congrès américain. Hein? Mais elle va rester à un niveau tellement minimaliste, tellement marginal. Ça ne va pas faire scandale. Nous-mêmes, bah, nous avons une corruption la CAIPA, nous avons trop criant. Et d'où l'importance, d'où la nécessité pour nous, non, nous réduire la honte. Corruption, c'est un domaine global, parce que les gens entendent, autorité entendent, il faut que c'est un domaine bel pour jouer comme là. Donc ça veut dire, ça me dit, ou pas qu'on doit faire corruption là, ou pas créer conditions pour l'argent à voler pour vivre là. Et soit pour l'argent dans la corruption, faut qu'on vive les. Faut vivre les belles douilles. C'est ça le pays a besoin. Parce que. Quel monde connaît pas que je me réveille président, pas que je me réveille ministre, pas que je me réveille député, pas que je me réveille sénateur. Il est clair sur ça. Mais là, on l'a bien vivre. Faut même y a enjoy you tout, ne façon pas yo. Nous qu'a toujours fait corruption, mais on fait travail là. Nous avec nos pays sales comme ça. Nous pas capable gourmet pour en tête la police. Nous pas capable gourmet pour nous venir chef. Et puis tout un pays dans l'insécurité. Gary Conny, tout ça y a tant. Ou en période de vent de 3 mois. C'est ça, Gino. Comme pas de parlement, c'est 6 mois. Il est toujours le premier ministre. 6 mois. Ou bien 6 mois. Arrêté à pas qu'on sorti, même quand on arrêté à pas qu'on sorti, il y a dans le journal officiel pays, la jeune presse nationale, soupe là pendant la parole, Gino, arrêté à capable de venir nous là. Arrêté à capable de venir nous là. De juin au mois de novembre, Gary Conny, il y a 6 mois. Pour le vin nan boukante la parole. Puisque c'est espace à grande écoute là. Pour vin là, pour dire pays là. Mais comment on te prend Haïti? Dans 6 mois, mes côtés moyens à elle. Et c'est ça qui est comme échéance. Mais qui prend le vin là, il faut déjà tout charger. Pas de camper. Pas de camper. Pas de camper. Et c'est ça. Au moins, j'ai pas emmerdé le zil là pour une fois. Nous, quand emmerdé,
signe moi je ne pas commencer au soulagement. Les premiers signaux, hein? Comme si vous nous dites, bon, faut aller les au caï. Faut aller dans la champette là dans le nord. Faut commencer à canard à l'ouvrir pour nous dire, faut activité mon rio retourner. Parce que pendant des nègres là, après le vin là, nous avons un bel cortège, un peu le chef de nous là, nous avons un petit ménage qui t'écoute et qui t'écoute nous là, comment ça brûle nous parce que, ah papa, moi, on va le pouvoir par là. Mais il y a un bon monde qui décapitalise Juno Jean-Baptiste. Il y a qu'on vive des activités qui sont sur route nationale. Il faut commencer à penser pour eux. Il faut commencer, ouais, nous commencer à décapiter. On a dit, bon, on a fait région Nord, nous parlons de la plage. Nous parlons de ce week-end là. Il faut commencer, ouais, là, nous parlons de tourner dans le sud là. Je pense que c'est responsabilité ça, au capitaine nous. Il y a des gros joueurs qu'on connaît. Gary Koni, il parle de Dol. Il y a des gros joueurs qu'on connaît, qui parle de chef cabinet li. C'est des gens intègres, c'est des gens honnêtes. Non, moi, je vais jouer là, je vais venir jouer moi. Je pense que c'est un gros travail, nous pouvons le faire pour le pays. Justement, c'est faut que nous veillions maintenant, et ça c'est l'autre partie du travail, pour nous observer, contrôler qui monde qui voit et monter terrain au côté d'Ariel Henry par rapport alors Gary Koni par rapport à PRD Pierre Raymond Dumas qui c'est ancien journaliste ancien éditorialiste un nouveliste ancien ministre culture également sous Martelly et c'est un monde d'expérience. Et c'est un monde d'expérience. Si l'information t'a venu confirmer que Gary et Dr. Koni t'a fait choix de PRD, c'est un bon directeur de cabinet. Maintenant, et l'essentiel, c'est que c'est les forces vous politiques. La parole. Alors, on a mes forces politiques. Nous connaissons que ces derniers jours, et parce que y a pas dormi, c'est rencontre sur rencontre, et dans perspective formation au gouvernement. Mais il va dormir, non? Non, il va pas dormi. Pour une décision, ça là, un gros barbecue qui fait dans la ville là, hier soir, mon cher. Radio Omega. Nega qui fait mal dormir à 2h du matin. Radio Omega. Nèg politique ici, pour. L'on a fait un nèg politique ici. L'on, bon, comme moi, dis ici, parce que je ne peux pas fonctionner avec mon, l'autre politique, homme politique de l'autre pays, Gino, pour nous connaître ce qu'il y a dormi. Mais nèg pas dormi, non? Non, et nous pas dit. Et pays, ça va rien dormir là-dedans, non? Souvle fond baye pou pa dormi non. Souvle fond baye pou pa dormi. Sam Haiti sa mwen la. Haiti sa mwen la. Mwen kwè fò gen de moun la monsieur dam yo vini yo baye espoir Juno Jean-Baptiste. Parce que gen pile moun ki vle ale. Gen pile moun ki vle ale toujours. Mais vin la pou n baye espoir, din ka rete, n ka goumè. An goumè pou nou san kapab fè. Justement, en Goumen, nous croyons dans la perspective Goumen, et il n'y a pas marché sans force là, et les Américains attendent que nous avons PM là, et nous avons choisi PM là pour monter terrain, et puis après pour envisager la venue de la force et, multinationale de soutien à la sécurité. Et nous croyons là-dedans. Et, amis, ça, et. Mam dit ça pour vous amis ça va c'est ça mais nous c'est grand conseiller émission hein. Valé c'est pas dit Claude Joseph populaire non il dit Claude gon gros parti politique que l'a monté là il bagay ça avant-hier m'a dit à des amis si Jean-Claude a fait là avec idée c'est-à-dire que il a bail idée on vit on existence en dehors des élections il va faire souvent non c'est là Valas au début parce que quitter comme ça, c'est-à-dire exister en dehors des élections. Généralement, Valistin, tu as le crime fini. J'aime dire dans le livre moyen, les partis politiques fonctionnent comme des coquilles vides qui ne s'agitent qu'en période électorale. C'est-à-dire que le parti idéal, je vous dis, elle existait. La fait activer son activité. Et ça, on dit, nous qui dit que tu as semblé dire Claude Populaire, on dit non, il a pris ton gros parti politique là. Dans tout pays, et des présents. Où est-ce que là? CPA gagne limité sous deux mondes ou bien sous des structures politiques aidé avec petit dessal que monde fâché que monde content c'est position valise deux forces politiques qui étaient souterrain c'est eux qui étaient souterrain c'est eux qui t'a point gaz qui t'a foiré monde qui le coquin l'elle tombé dans dos études médecin
Mais ou pas changer dernière manifestation côté Claude dans manifestation chez pour gaz. Oui, bien changer. Son cocal coup demandé. Oui. Ou pas droit qu'on nous rater. Ou quand la parole ou gain droit pas d'accord avec Claude. Mais quand même moi même pas d'accord de monde vienne dire comme si pas gain monde qui travaille pour arriver là. Moun yo travaille pour arriver là. Yo capable joindre ni dans moment où tu besoin là. Mais si pas de lever campé Ariel pas d'ap interdit Ariel entrer en Haïti non. Si toute partie politique te senti confortable avec Ariel Henry, pas gain moun k'ap di ah bah Ariel Henry, pas gain moun k'ap di nous pas capable avec Ariel Henry, yo pas obligé kembe là-bas à distance non. C'est parce que gain dénonciation général Baptiste Kembe. M'a parlé de popularité Claude Joseph. Yeah. M'a gardé un structure politique l'a mette campé. Qui prend dans tout pays. On dit mariage ça il t'a kembe. Dans élection Moïse Jacques Claude a fait miracle. Moïse était tout simplement lui-même pour structurer parti par là. Simple. Lui-même pour structurer parti par là. OK. Et puis à l'élection au fond mariage parce que jusqu'à présent Claude Joseph Rogon est-ce qu'elle a candidat? Est-ce qu'il y a des charges? Baronnet. Il faut rendre la candidat. Mais nous ne pouvons pas parler de popularité, Claude. Nous ne faire qu'un sondage pour moi, Claude. Il est populaire, non? Radio Omega. Tendance politique en Haïti, il y a une zone en main où tout le monde est arrivé. Aussi simple que ça. Tout le monde est arrivé. Tu es ça. Et puis manger en main où tout le monde est arrivé. Tu es ça avec qui? Mais écoutez. Parti Evans Paul là. OPL. Bon coup de OPL, l'épaule de Nîmes, justice. Oui. C'est la OPL qui fait santé politique, lui. Claire. Quand il a la parole. Les Evans Paul, Luna Namel. Les ministres de commerce Namel. Et laisse à tout le monde tourner, oui. Tout le monde tourner. Même Gérald, je l'explique, moi. Il y a un parti politique qui finit grâce à Namel. Tel Marielle, ben, rendez-vous, pas, j'aime venir, tout le monde fait grâce. Tout le monde allait. Ou celle là qui est avec elle. Vous dites, Alexandre, quoi, l'endol, là, vous nous dites pareil. Yeah. Politique en Haïti parce que nous pas fait politique par idéologie. Nous fait parce que nous quoi si nous là m'a pris un petit job. Simple. Et comment ça nous fait politique là? Simple. Ça fait structure. Les mon a demandé pour structurer parti politique. Mais on est qui gon li là dans parti politique qui dit bon m'a dans l'opposition. Vous pensez là gagne 10 mon avel? Radio Omega. Pas 10 mon avel mon cher. Vous pensez là gagne 10 mon avel? On pensez tout le monde qui accepte de mettre Mao avec l'autre parti de eux, c'est parce que y a carotte là presque non mais Claude carotte là presque cuite. Et c'est ce qu'on s'allie. Ou bien la valace toujours là pour montrer Liban en pouvoir. Ça arrive, il y a des disciples. Il y a des gens qui pas quitter Aristide, qui remet Aristide. Il y a des gens qui ne pas soigner la caillou jusqu'on est au petit 4-90 dans Mao. Jusqu'à présent. Il y a des photos Aristide 90 là. Mais depuis quelque temps, c'est Johnson dit aux jeunes qui parlent pour la valace. Les si on note aussi elle, mais combien de fois la valasse annonce aux manifestations? Parce que la valasse toujours dit, et dans Charivé Chaudier lié. La valasse toujours dit, et dans Charivé Chaudier lié. SDP te j'aime mon gros force, oui. SDP pas de j'aime mon strict politique, il pas de j'aime mon gros force politique. Mais, où est pendant yo sou Ariel là? Nous n'avons pas goûté pour André Michel. Parce que André Michel était mangé dans Mel. Yeah. Suivez combien de gens qui parlent goûté pour André Michel, c'est Sean Masconia. Parce que, Chaudi à Banamel. C'est comme ça qu'on fait politique en Haïti. Côté manger ailleurs, il a le bras allé. Yuri la Tortue renforce Haïti en action parce que Gérard la Tortue était premier ministre en 2006, 2004, qui fait Atibolite en action, c'est force qu'elle y a. Vous gardez la parole. Nous pensons que c'est plus gros force régionale qui existe. Non! Yuri te gen pouvoir nan men li, li fait ça gen pour le faire. Après l'an mort Noël Emmanuel Limage, c'est là avec Jean Foussabergom qui a dirigé la Tibonite. Yo kembe la Tibonite en otage. Yo mette tout député, tout magistrat vle. Mais c'est pouvoir pour qui ba ou li. Mais ouais, après l'an mort, structure politique ça Jean Baptiste. Sou qui te CP a mout avec ou. Yo vin juger parti. C'est perdant, oui, perdant. Dans la radio, il y a un discours, mais il y a dit, nous ne pouvons pas faire la fête comme ça. Nous l'avons tout. Il faut y avoir dedans. C'est toute dénonciation, ça, là. OK? Même quoi, gars, choix, gars, économie, non? Son bon choix pour payer
parce que ils sont hommes qui naîtres jusqu'à présent. Jusqu'à présent, ils sont un monde qui neutre ou pas, ils pas gain étiquette sur lui ou capable tous ils étaient. Tu payes Michel Martelly, mais non, ouais, comment l'expérience t'est passée. Et c'était un critère que nous avons insisté sur lui en pile pour que mon nom pas inféodé à quel groupe politique, pour que mon nom ait assez de latitude pour les parler avec tout groupe politique yo, et pour choix ministre bien fait et pour que nous démarrer avec transition qui supposait gagner comme aboutissement élection, question constitution et puis transmettre pouvoir en février 2026 à des dirigeants élus, présidents, parlementaires, etc. Donc, ouais, il est fondamental pour que Haïti open capable parce que pendant on a fait tout débat ça, on a parlé de Gary Kony, docteur Kony comme nouveau PM et gouvernement pour le monter, nécessité pour nous avancer, nécessité pour toute force vive nationale, force vive nation hein, mettez ensemble pour nous réussir transition hein. Et bien ça vient 2 semaines là que nous ouais dominicains yo nos exercices démocratiques qui déroulent la caillou sans accroc yo saute renouveler mandat Luis Abinadel comme président de la CAIO et il y a près de 35 ans depuis au milieu des années 90 il a fait ça, il a décidé, dans le milieu des années 90 de changer cap pays, changer direction pays et je crois que Dr Gary Kony a un rendez-vous avec l'histoire et quel que soit le monde qui croit dans le pays d'Haïti, qui aime le pays d'Haïti, nous supposons mettre pression. Nous supposons mettre en face de ça, sous nécessité pour que Dr. Gary Kony ne pas rater rendez-vous ça avec l'histoire. Et moi-même, ça que je voulais, ça que je souhaitais, c'est ouais, une nouvelle ère politique et sociale, une nouvelle ère de stabilité politique inaugurée dans le pays. Et l'histoire veut que ce soit Dr. Kony qui PM jeudi. Ce n'est pas un hasard. C'est peut-être que Dr. Kony TPM 2011, il n'y a pas de chance pour le débat. Peut-être le rendez-vous à l'histoire, ça. Près de 6 mois, expérience infinie. En queue de poisson, jeudi, en 2024, Gary Kony, vous êtes effleuré là, ont ensemble de très beaux profils qui étaient capables de PM tout. De très beaux profils qui étaient capables de PM, qui sous béton, hein, qui compétent, qui gagne talent, même déjà avec Dr. Kony. Mais si l'histoire fait que, balance l'en penché, parce que je me connais l'histoire, un peu moi-même, si l'histoire fait que, balance l'en penché, bon côté Kony, bon côté Dr. Kony, je le crois qu'on a raison pour ça. Et comme émission ça, c'est l'émission la plus écoutée en Haïti, m'a dit Dr. Kony, on sait le bagaille. 58 ans. À 58 ans, je suppose, parce qu'il va en mime, je suppose que Dr. Kony a déjà réussi sa vie professionnelle, familiale, je suppose. À 58 ans, il y a un monde qui réussit vite à niveau ça, au niveau international, qui est gros chef dans tout organe Nations Unies. Falistin, si je ne trompe pas, le pays a dit que je me trompe. Pour moi, il n'y a pas de plus grosse occasion que je peux gagner. Pour faire valoir ça vaut, pour faire valoir ça capable, pour faire valoir ça capable poter pour pays hein, comme combustible pour booster de nouvelles énergies créatrices pour nous faire pays à chavirer dans une nouvelle ère parce que les transitions politiques de 86 à aujourd'hui hein, les transitions politiques sont tuatoires à la fois pour l'économie mais également pour la République. Alors, faut que nous cassions au binaire. Ces transitions politiques, nous n'avons pas de résultats. Nous n'avons que nous tuatoires au pays. Faut que nous cassions c'est que ça. Et je crois, et je veux croire que Dr. Gary Kony, que l'histoire, par le hasard de l'histoire, l'histoire, mettez-le là, je dis, choisis-le. C'est l'histoire parce que Dr. Kony peut-être dans le calme de sa,
de sa belle fonction comme coordonnateur régional. J'imagine c'est une belle fonction, Baliste. Son belle poste. Maintenant, il va quitter ce calme, parce que c'est très calme. C'est pas politique, c'est professionnel, c'est technique la fin dans UNICEF. Il va quitter ce calme apparent pour le vin là. Et il doit connaître que la vigne est un fleuve politique extrêmement tourmenté. Monsieur Walter Bela dans des courants. Un courant rivière, un courant fleuve là. Moun ki konn rivière bien, moun ki konn dehors. Il y a blague docteur konn nou courant là et courant ça. Docteur konn doit monter que ça le vaut. Et me croit que peut-être c'est des souhaits, mais également c'est des convictions chevillées au corps. Ça c'est que me voulez pour que moi en 2026, peu importe moun ki parle président Moïse Jean-Charles, Claude Joseph, peu importe mon nom, mais Valestin, faut que nous inaugurions le pays. Il faut que nous suspendions, mais ça, Dominique, on a fait depuis 40 ans là. Donc, vous choisissez des candidats, pas ou? Et en plus, là, toujours. Bonjour. Marise Narcisse. Bonjour, dit l'autre. Michel Martelly. Qui est-ce encore? Eh, Bluff, on va faire là. Docteur. Ça va faire, c'est Bluff. Justin Privé, il pas Bluff. On dit Bluff, on va Bluff. On est quand même plus professionnel. Justin Privé. Vous connaissez Bluff, parle Martelly. Martelly? Oui, on va aller. M'bavle, mais si... On va passer dans la tête et tout. On va passer dans la tête. Et vous dites, m'bavle, yo. Ça dit que, moi, m'vle. M'bavle, pas président, pays. M'vle pour que y ait une nouvelle ère de stabilité politique qui inaugurée en un pays en 2026. Et si c'est ça l'histoire, vle. Si c'est ça, docteur Koné, vle. Alors, docteur Koné, on a courant de loi, bataille, pour venir résoudre ça, pour nous inaugurer en un pays une nouvelle ère de stabilité. Parce que si l'autre nation fait, nous-mêmes haïtiens, nous qu'a fait le tout. Ok, je pense que pas bien trop parole, on dit encore qu'on a obtenu le gouvernement, hein? Mais est-ce qu'on a exercé ce fait là, dans 5 mois de là où on a eu le gamin de Et. Alors, sans... dans 5 qui étaient avec Gary Koné? Oui, sans aucun doute. Et sans aucun doute. Par exemple, Dr Joasil, c'est un très beau parcours. Mm-hmm. Capitaine là, mais c'est un très beau parcours. Gouma ou m'a dit dans Boukanté la parole, dit l'en fait dans Boukanté, pas gain génération spontanée. C'est-à-dire, tout dit là, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux, mais on va pas monter table ou foutre un coup de pied dans chaud dire baou ou jeter tout le monde. Non, ouais. On va faire ça. On va tout besoin, il est capable de faire de façon progressive. Donc docteur, même dit docteur et capitaine Joasil sont belles figures qui vient placer en transition hein, et ingénieur Fritz Belizer sont très beau profil également, les place li et Paul Antoine Bien-Aimé, on va connaître l'imagination mais en plus monde dit c'est un monde qui est né dit que c'est un gros technocrate qui a un pile qui gon connaissance pratique de l'État, qui était ministre à deux reprises. Et puis Didier Fizeme, Mbakounel, mais il dit que c'est un monde qui étudiait, qui réussit dans le business. Entre guillemets, parce que Mbakoun business. Donc c'est tous les quatre profils à vous, Valestem, quoique si à un niveau à un autre, il est capable de servir le pays, c'est tant mieux. Parce que nous ne pouvons pas aller, moi avec nous, bataille trop. Nous ne pas les mêmes erreurs Ariel Henry ont répété. Ça fait m'applaudir, docteur. Je dis docteur. M'applaudir, Joasil. M'applaudir, Fizeme, qui est en fait de connaître. Et Fizeme dit en tout lien, je demeure un patriote convaincu. Son petit signe qui montre que les prêts pour le service pays, peut-être à un autre niveau. Valestin. Ok. Eh bien, nous t'as deux fonds parler avec Bedford Claude. Où est-ce que je ancien commissaire au gouvernement. Oui, je veux dire l'affaire politique. Il est en raid. Non, l'a dirigé un parti politique les principes. Pas une question raid, non. Mais faut que nous te poser question parti politique pendant la transition là. Nous pas gagner 800 parti politique, non. Pas c'est ça, c'est bah, on est non. Allez, c'est faut nous mais faut cette transition ça va pas poser. En arrivé dans 50. Son faut constructif faut poser parce que nous pas quitter des partis politiques à mettre de l'autre parti politique tout non. Parce que bah, là, tout le monde jouait. Un gros document, là, même là. 2021, c'est 253. Par contre, combien il est pour 2024? Parce que chaque nègre là, qu'on parti politique, n'est pas chaud. Chaque nègre, qu'on parti politique, n'est pas chaud. Et de la Guillaume, qui est parti politique, lui? Et la Guillaume, il est parti politique. Il est parti politique, lui. Il est parti politique. Luc Mandel, il est parti par le dos, oui? Oui, Luc Mandel, il est parti politique. Oui. Non, Luc Mandel, il est fait politique. Donc, ça veut dire, là, nous, il a fait politique. Ça veut dire
c'est pas tomber une faire politique. Mais ou quoi bon, nous pas politologue, nous on gagne des bagues, nous pas maîtriser trop bien. Mais on va poser une question. Pourquoi ça Valestin dans Dieu pour ça semble ou pas rassembler. Ou doit prendre 20 partis là et puis assembler puis faire 20 partis, 20 coordonnateurs. Pourquoi ça pas rassembler. Alors peut-être de chaque voulez. Pourquoi ça on dit chaque voulez grand. Ça c'est difficile pour rassembler comme ça. De chaque voulez grand monde tête pas yo. Grande déception pour une raison bon l'autre nous diviser. Mais attendre l'élection il vient à croiser quand même. Et comme ça mais c'est comprendre. L'élection il vient à croiser quand même. Mais il y a des nèg ici, yo toujours font barrer pour sous table négociation. Hein. Voilà. Parce que va aller dehors. Ça m'attend maman. Voilà, il va aller dehors. Là Emmanuel Mena tweet sur parti réformiste haïtien. Oui. Ou à penser son parti politique qui est dans tout le pays. Elle a parlé de lui. Pourtant, il s'est le ménage. Pourtant, Emmanuel Mena est capable, par exemple, dans le PHTK, un bon exemple. Mais on belle tête, lui, faut nous, elle côté là. On belle tête. On belle tête. Et on ne peut pas l'autre parti politique. Pays, il n'y a pas de monde qui a une belle tête. Pays, il y a une belle tête. Sauf que maintenant, c'est sa belle tête qui a comme résultat qui fait que 2024, nous avons. Alors, belle tête qui a pas de résultat, c'est parce qu'il n'y a pas souvent pour un pouvoir. Tu vois, je vois, non? Tu vois, un petit bagaille. Tu vois, ça se fait pour gérer tête. Comme si je me disais, côté là, nous sommes même génération. Hein? On va changer en mise en scène Emmanuel Mena fait pour Wilson Jeudi. Il a débarqué Wilson Jeudi Canet. Puis Emmanuel Mena a débarqué dans ce pays. Mais il connaît, on va le choisir Wilson Jeudi. Ce sont ces petites formalités. Bon, il faut dans ça. Mais Emmanuel Mena, je ne sais pas qu'on ait un nom qui était pour lui, mais ce n'est pas Matéli. Il est tellement n'est pas Matéli, il sorti dans l'ONA, il vient directeur, il vient président du conseil électoral permanent, qui était gagné 6 mounes. Quand tu es voué encore, on balle l'autre côté de l'envoyé. Il était dans CEPA. Il était président CEP 6 mounes. Non, je suis TNH. Il était dans la télévision nationale d'Haïti. Il a dit, sous toute règle Matéli, mais n'a pas jamais été. Il était gagné président du conseil électoral permanent 6 mounes. Donc, dans la période là, c'est pas le manque pas de voyer mon Gino Jean-Baptiste. Ça veut dire, ici, sont question de colonnes qui battent. Et là, on compte les soirs, comme si 1h, 2h du matin, ou alors on compte Gino Jean-Baptiste, j'ai au croisé avec elle. Mais on connaît le monde là, Haïti même, Gino, son type là, mais. On ne faut pas parler avec Bedford Claude, et Jean Doula, il n'y a pas de structure qui est en salier, choix, premier ministre Gary Kony, Abgadi Lagaye. Il faut que vous positionnez, vous-même. Bon, RNTK. Rassemblement national tête calée qui félicite CTPA qui choisit Dr. Gary Kony pour venir premier ministre. Du coup, c'est mon moment qui a fait un bon dialogue. Donc, c'est RNTK, réseau national tête calée, qui choisit lui, qui est ton lui, qui est encore, qui est de l'Augustin Salier. Est-ce que toute chose est authentique? Bon, bah, on est non. Moi, sur plusieurs. Moi, par contre, c'est l'authentique. Bah, on c'est l'authentique. Ok, mais. Mais ouais, chose à salier. Mais l'international là, pourquoi salier, non? Non, beaucoup. Peut-être que peut-être qu'il y a une nomination. Peut-être. Il y a une nomination. Nomination arrêtée. Parce arrêté, que c'est institutionnel, lui-même. Il y a un arrêté qui a publié dans le journal officiel pays. Je pense que c'est ça, il y a un. Je pense que c'est ça, il y a un là. Mais parle toujours de Goumen, oui. Parle toujours de plein. Par exemple, nous, les gars, nous venons là, il y a des gens qui sont soirées, qui sont dans le jour. Parce que nous avons une génération, nous sommes croisés. Nous sommes là, ça nous fait pour vous. Vous comprenez? On a joué Bedford Claude, Gino Jean-Baptiste, pour nous parler avec Bedford Claude, qui est un parti politique et l'a dirigé. Non, c'est l'a dirigé une structure politique. En DBIA. Et. On va prendre pause là, on a parlé à l'ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince, Bedford Claude, qui a une structure politique lui-même l'a dirigé pour nous faire le travail là, puis bien Juno, on a fait l'autre bagaille, ok, pour le fond très technique à voilà, pour nous faire le travail là, puis bien, non, boucanter et la parole à soi. On va parler avec Bedford Claude, qui c'est ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince dans l'émission. Boucanter la parole, nous allons parler avec lui à soi. Bedford Claude, bonsoir. Merci parce que vous êtes disponible pour nous pour boucanter à soi. Comment nous? Bedford Claude, bonsoir. Comment nous?
Et bonsoir Valestin, et nous saluons le panel là, et nous saluons tout le staff technique qui permet que l'émission soit possible à faire. Et nous saluons tout le peuple haïtien, nous saluons tout le monde qui a fait l'émission pour planter la parole, une grande émission. Merci parce que vous disponible pour nous et à soir. Avant nous venir dans le principe, que vous avez dirigé journée aujourd'hui, depuis 27 mars, vous avez responsabilité ça comme coordonnateur national. Parti politique, ça n'a pas de chance pour nous de présenter pour nous-mêmes, mais c'est pour la première fois n'a parlé avec vous depuis ou par commissaire gouvernement. Moi, je voulais poser quelques questions, notamment qui ça dossier à tenir, mais qui ça faut quitter pays à pour qui ça est obligé quitter pays à Bedford Claude. Et comme on connaît déjà, donc, nous sommes anciens commissaires gouvernementaux par rapport sous l'administration et Jovenel Moïse. Donc, après l'assassinat de Jovenel Moïse, vous connaissez nous qui avons traité le dossier Jovenel Moïse. Donc, nous-mêmes, en tant que commissaire du gouvernement, chef de la poursuite pénale et maître de l'action publique, nous avons fait travail nous, selon la loi. Malheureusement, donc, nous avons vu joindre des gens dans l'État. Et qui était impliqué dans l'assassinat et président Jovenel Moïse. Donc nous-mêmes, et comme commissaire gouvernement, donc nous t'ai fait ce que tu dois. Et ça t'a fait nous obliger à quitter le pays, hein, puisque tu as une grande réunion qui t'a fait et pour t'être assassiné, et ni moi-même, ni et l'ex-ministre de la Justice, Rockefeller Vincent. Donc après un coup de fil, donc nous t'es obligé à quitter le pays. Hein. Alors, qui bon, dans quel niveau rencontre ça a été fait? Qui est-ce qui t'a planifié l'assassinat? Et qui est-ce qui t'a fait la rencontre? C'est une rencontre qui t'a fait au niveau gouvernement Ariel Henry. Donc, c'est pas parce que, forme claire avant que, et il y a eu des fruits et voyez des gens côté, donc parler avec vous, des fruits de la gare, donc tout. Allô? Allô? Allô, allô? 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 Oui, oui. Vous là? Oui, ok. Alors, on est là, oui. On va continuer. On t'a parlé de rencontres de fait. Nous t'es obligé, nous t'es obligé de courir quitter le pays le même jour et depuis là, donc nous t'es au pays. Depuis là, nous dehors et pays a et depuis là et comment la vie met Bedford Claude. Bon, vous connaissez donc nous sommes nèg qui gagne et qui gagne tel moral et nous gagne nous sommes nèg qui très fort tout. Donc nous pas jamais céder. Nous pas jamais céder à la vie. Donc nous là donc n'a gourmet. Et malgré nous t'es en exil, donc nous t'es toujours à coumer politiquement. Donc parce que nous t'es estimé que justice là doit bail à moun li qui mérite. M'pense Jacques Fortéwe, donc Jacques Fortéwe, plusieurs actions que nous t'es posées. Donc nous t'es allé dans l'OEA, moi-même Claude Joseph et ex-ministre de la Justice Rockefeller Vincent. Et puis ensuite nous t'es lancé en bataille. Une bataille ouverte de côté et Ariel Henry. Où t'es lancé. Et jusqu'à présent, à Goumé, et très prochainement, donc nous allons retourner dans le pays. Oui, où dit où t'es lancé une bataille contre Ariel Henry. Ou indexé Ariel Henry même. Bon, je me pose une question comme ça. Qui ça, Bedford Claude, comme ancien commissaire du gouvernement? Et en fonction des mouns, parce que c'est vous-même qui avez commencé le dossier ça, qui sont qu'à 10 pays à sous assassinat Jovenel Moïse? Moi-même, tout pays au courant de ce qui est passé dans l'assassinat Jovenel Moïse, puisque malheureusement, donc, et DCPJ, moi-même comme commissaire gouvernement, donc, débat DCPJ en délégation de pouvoir pour te mener enquête sur l'assassinat et président Jovenel Moïse. Malheureusement, donc, résumé et rapport d'enquête sorti dans la rue. Donc, tout le monde te connaît et qui est qui impliqué dans l'assassinat et Jovenel Moïse. M'bosse, c'est bon bagaille qui. C'est bon bagaille que m'bral dit là, qui.
qui nouveau, je pense que tout le monde connaît qui est, donc qui participe à l'assassinat et Jovenel Moïse. Alors, parler avec PIA, peut-être depuis lors, c'est l'autre bagaille qui a parlé, nous avons une ordonnance qui sorti. Qui est-ce qui a assassiné Jovenel Moïse? Et moi, je pense que ça qui est sorti, il dit son ordonnance, soi-disant ordonnance, je pense que son mascarade juridique. C'est ton bagage qui était, comme on te connaît, que justice là, donc, il était vassalisé, il était sous coupe réglé par l'ex-premier ministre Ariel Henry, donc, qui était comporté, il était au roi. Donc, il était pensé que c'était un roi Henri Christophe Pelletier. Donc, il a essayé cacher et cacher, donc, impliqué. Radio Mega. On a essayé de faire une interview là avec Bedford Claude. On a essayé de faire une interview ça avec Bedford Claude. C'est important pour nous parler avec Bedford Claude Junot Jean-Baptiste. Mais un gros problème communication, vraiment, un gros problème communication que nous devons ranger là pour nous capables de parler avec Bedford Claude. C'est ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince. On a essayé de parler avec lui. C'est lui-même qui était entamé processus après assassinat Jovenel Moïse et l'été bail délégation de pouvoir à DCPJ pour font travail d'enquête sous assassinat Jovenel Moïse. On a essayé de garder là puisque nous avons deux compagnies n'a utilisé là et m'espère nous en forme là même gros problème connexion. Mais espérons nous en forme avec le commissaire Bedford Claude qui lui-même retourne nous là. Vraiment important, Junot Jean-Baptiste. Est-ce que jouez le commissaire beaucoup de fois? Et si vous jouez le commissaire, nous avons problème là, internet là, nous avons problème signal téléphone là pour nous capables de parler avec magistrat Bedford Claude, ancien commissaire gouvernement de Port-au-Prince, NAPC jeune là. Et je pense qu'il y a quelques arrangements de fait là pour nous capables d'essayer et jouer le commissaire Bedford Claude. Nous espérons compagnie qui ban signal là, qui ban internet là, tout bagaille disponible. Mais là, mon problème, pas de connexion. La PC utilise et téléphone pas moins et pour nous capables de parler avec commissaire Claude et magistrat Claude pour nous parler avec lui dans l'émission Boukanté et la parole vraiment important pour nous parler avec lui. Est-ce que tout bagaille en forme pour nous joindre commissaire Claude? Malheureusement, nous avons un problème là pour nous parler avec lui là, Junot Jean-Baptiste, tout bagaille tombé dans nous là. Tout bagaille, même téléphone pas tout bagaille tombé, et même moyen téléphone pas m'a tombé. Même moyen téléphone pas m'a tombé pour nous parler avec l'ancien commissaire gouvernement Bedford Claude. Bon, c'est une tape important pour nous parler avec elle. Même Jean Nabgon joue pour nous parler avec Wokfield et Vincent. Dans plus le monde dans le système, nous avons parlé avec eux. Gon pile moun, mais Marielle Henry, parce que moi-même, ma vie qu'on est, j'ai une petite explication pour le tabac, on joue tout. Parce que l'on met non dans l'assassinat Jovenel Moïse. Bon, malheureusement, compagnie a fait défaut. Hein? Parce que n'a pas venu là. Je dis une fois qu'il y a internet pour nous parler avec le magistrat, pour faire qu'un appel. C'est Josy là, donc peut-être Jovenel pas qu'à jouer une justice Josy là, même pas c'est bonjour. Donc, il y a une justice dans le pays. Il y a des gens qui ne peuvent pas, des gens qui intègrent, des gens qui ne peuvent pas faire des lèches-culs. Des timorés, comme si des juges, bien des juges qui honnêtes, donc capables et prendre dossier et puis traiter dossier, donc comme ça doit, donc pour bail et président Jovenel justice, même j'ai à tout le monde donc, qui a assassiné, donc qui méritait justice. Donc nous avons un élément dans la main, nous, dans la période ça, nous avons même rivé mettre interdiction de départ contre Ariel Henry, et par la suite,
au lieu de nous arrêter Ariel Henry, puisque nous avons mis interdiction de départ, par la suite, c'est nous-mêmes qui allons retirer dans le pouvoir ces révocations que nous allons joindre. M'passe, et si nous avons été dans le pays, la révocation n'a pas appris après ça que nous avons fini, puisque nous avons assassiné nous-mêmes avec le président Jovenel Moïse. M'passe, Josia, donc vérité ou doit parler, donc vérité ou pas doit cacher. M'passe comme son dossier qui devant la justice, donc malheureusement, donc qui pendant. M'passe bonjour, donc n'a pas qu'on vérité sur assassin président. Ou tu es envoyé inviter Dimitri Vob, Reginald Boulos et puis le monde dans la classe politique là, dans le monde ça où tu as une chance d'entendre, qui ça a été raconté, qui ça a été dit au connaît dans l'assassinat de Jovenel Moïse? Pile le monde dans le secteur privé, effectivement, mais malheureusement, il n'y a pas de vini, avocat, il était voué requête en deux paquets, donc il n'y a pas de vini. Donc, il y a des personnalités politiques, effectivement, nous t'étendons, et nous t'étendons, nous t'étendons des questions, et nous t'éclarifions donc de réponses que nous t'étendons par nous, donc sous question et assassinat et Jovenel Moïse. Mais où gardez ordonnance juge ça, qui t'a traité dossier, où gardez ordonnance là, peut-être certainement au Lili, si vous ne connaissez que moun yo inculpé, yo fait appel de ordonnance là, mais est-ce qu'on est lié avec le réquisitoire déformé ou t'es adressé dans le cabinet d'instruction ou même? Je pense, et je me suis dit ça déjà. Donc, ça qui fait là, alors, cette soi-disant ordonnance, donc, d'accord, c'est une mascarade juridique. Donc, c'est un bagage qui fait pour te blanchir. Conseil de monde donc qui implique directement dans l'assassinat président Jovenel par exemple et fait d'autres monde passer pour bourreau. Donc on pas dit que en dehors de notre pas des monde qui impliqué. Donc capable bien des monde qui impliqué mais les n'a gardé et soi-disant ordonnance donc nous ouais c'est une ordonnance politique. Donc c'était un bagage pour être persécuté des mondes et pour être capable de faire des mondes peur, persécuter des mondes. Donc et puis blanchi, on sait de monde qui est impliqué dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Qui monde ça oui? Et par exemple, et vous voulez un bon exemple de monde que vous avez indexé? On allait? Donc on pensait. Alors on a parlé de monde ou estimé sur ordonnance qui montait même pour blanchir des mondes. Qui monde yoé? Qui moun ou estime qui blanchit dans le dossier et non te doué dans le dossier sous tes commissaires gouvernement ou t'as demandé? Malheureusement, j'ai ordonné ça, fait là, donc pas de moun que blanchit. Et pas de moun que blanchit, malheureusement, puisque c'est ça où t'as essayé de faire. Okay. Donc c'était retirer conseil de moun. Mais malheureusement, donc, ils sont ordonnés tête en bas, donc, dossier a toujours, et puis juge là lui-même donc la va tendre moun pour le tendre et la va indexer moun pour l'indexer. On dit n'a kembe ordonnance ça et on dit on l'autre tribunal confirme ordonnance juge instructeur là qui non ou est là qui non ordonnance là li nan place li qui n'a place li des moun yo inculpé dans ordonnance là des noms qui n'a place oui j'ai gagné moun bagay tout en bas même là sauf que nous est dans proche journée m'pense soit aller là soit aller dans rapport d'enquête de CPJ
Je pense que c'est tout le monde que DCPJ est impliqué dans le dossier. Donc, on est capable de comparer avec l'ordonnance et puis on va regarder donc, exactement donc, est-ce que ça qui fait là, est-ce que son ordonnance qui fait, est-ce que son vrai ordonnance ou bien son bagage qui peut persécuter le monde et que pouvoir en place à l'époque là, donc t'es fait. Alors, de la justice, où aujourd'hui, on dirige un parti politique qui est le principe, ou c'est quoi le national là, ou fait expérience politique déjà, ou participer dans mon ton structure politique déjà? Et bon, malheureusement, donc, ou pas de comme ça qui Bedford Claude là. Bedford Claude sont anciens militants politiques. Donc, nous faisons premiers âmes politiques, nous avons deux familles à Valas. Donc, nous sommes anciens candidats, donc, sont ensemble, nous faisons la première circonscription. Donc, nous participons dans construire et réhabiliter. Okay. Donc, je vous dis, nous sommes dirigeants de structure politique. Formes au principe par une nouvelle structure politique. Uh-huh. Et principe sont structures politiques qui existent depuis 2020. Donc, soit regarder dans la liste et parti politique qui agréent dans le conseil électoral provisoire. Donc, c'est une parti politique donc, qui agréé depuis 2021 dans le conseil électoral provisoire. Donc, si tu as des élections, quel que soit l'acte, tu as des élections, donc, principal seulement, confirmer participation. Donc, c'est pas une nouvelle structure, donc, c'est une structure qui était là déjà. Donc, tu as un groupe monde donc, qui t'a travaillé sur le terrain. Donc, et puis, je dis, ils ont décidé. Et relancer ce sujet-là, donc sur cette politique. Et comme membre fondateur RED, nous connaissons RED et RED impliqué dans le processus politique ça, qui baille CPA, et depuis jeudi, qui choisit un premier ministre en la personne de Dr. Gary Coney. Donc, ou impliqué dans le processus politique ça, ou bien ou à l'écart? Ou dans le pouvoir là? Et alors, forme claire avant que RED son plateforme politique qui a plusieurs organisations politiques et partis politiques. Donc moi-même, moi c'est membre fondateur et RED. Je pense et je dis un choix d'Aïkonia, c'est pas choix RED, mais c'est plutôt donc c'est choix du conseil présidentiel donc qui a plusieurs secteurs politiques là-dedans. Donc je pense et moi-même comme coordonnateur national principe, donc nous là, donc nous suivons et nous observons. Donc monsieur Samabzou, Mabzou que toutes les solutions qui sont possibles pour sauver Haïti, donc nous même principe, donc nous campons d'elle. Je pense que je dis que pays n'a pas attendu encore, donc n'a pas assisté à l'effondrement de l'État, donc pas d'institution, population n'a pas contre qui monde pour l'élever, population a couru monter des sons chaque jour, ou insécurité, à nul autre pareil. Je pense que je dis, donc urgence. Donc, on urgence donc pour le groupe Mounsao qui est au pouvoir, donc et pour vous mettre ensemble, donc pour voir comment vous avez joindre une solution donc, pour le pays. Moi, je pense que le choix de Gary Coney, son choix qui est éclairé. Et puisque Gary Coney, donc c'est un qui bourré de compétences et d'expérience, donc son équipe qu'on a administration l'État. Je pense que depuis la volonté politique, je pense que Gary Coney est capable d'aider donc, dans la crise. Là. Donc, je dis à eux de monter un gouvernement très rapide, un gouvernement pressé, donc sans dilatoire, parce que le pays n'a pas qu'à prendre dilatoire dans sa population à passer là. L'on a regardé chaque jour, mon a mouru, donc chaque jour, et la population a pris les amoureux. Donc, ghetto accrasé, donc comme les ghetto accrasé. Donc, je dis à Negio, si Negio, c'est yo vin font bagay pour pays. Si Negio, ou est pays avant tout, me pense, et yo dwe font gouvernement très rapidement, un gouvernement qui marche avec réalité politique pays, un gouvernement qui a des hommes et des femmes honnêtes, intègres, et qui n'a pas de responsabilité, donc qui n'a pas de monde, parce que Josia, ce n'est pas vin ministre et vin directeur général, et puis, ou pas qu'à poser, ou pas qu'à
porter solution à ça qu'a fait là. Donc je dis à son ex-ministre, donc faut qu'on prenne des décisions et faut qu'on ait toutes décisions pour le prendre, donc il y a des pile conséquences donc sous famille, mais quand même c'est bail pays et priorité avant tout. Parce que je dis, Haïti vive dans un carrefour et un carrefour à nul autre pareil, un carrefour difficile. Donc, si pas gain tête ensemble, si pas gain des hommes et des femmes qui sont capables de prendre responsabilité, je pense que c'est devant et à pitrice. Transition ça, qui pourrait gain en tête le docteur Gary Koné, il n'y a pas d'où échouer selon vous-même. Je pense que l'échec de Gary Koné, ce n'est pas seulement Gary Koné. Je pense que c'est échec tout secteur politique, puisque Josia est composition d'Akati pouvoir exécutif ça, donc sous permettre de dire ça, donc qui peut avoir un conseil exécutif, qui peut avoir un conseil présidentiel là. Je pense que c'est plusieurs secteurs politiques donc qui composent avec un compromis qui vient par le conseil et présidentiel là, donc avec collaboration ou bien d'Akati participation internationale là. Je pense que je dis à ce qui gagne qu'on y échoue. Donc c'est pas seulement Gary Koné qui a péché, donc c'est toute classe politique là qui a péché. Nous connaissons que Gary Koné. Il y a une mission journée jeudi, hein, donc pour être capable de travailler, pour être capable de arriver à la mission, donc qui se mène un pays hein, dans de bonnes élections honnêtes et libres et démocratiques. Nous connaissons que Dr. Gary Koné pourra choisir ministre en concertation avec les parties prenantes signataires de l'accord du 3 avril 2024 qui crée CPA et qui, je dis, bail Dr. Koné comme PM. Non, j'ai pas où. C'est qui ministère que nous pas t'a supposé laguer dans l'escarcelle de politiciens pour ne pas fausser la bataille politique qui pourra gagner en 2025 là? Bon, moi même pas pour aller répondre à une question ça, parce que pas oublier, donc c'est un conseil qui a géré le pays, hein. Donc c'est plusieurs secteurs politiques et où surtout qui s'est passé là, donc et pour le territoire Antonio. Je pense quand même, vous ne parlez pas de secteur qui a bien tel ou tel ministère. Je pense que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, donc, c'est pour et chaque secteur politique qui dit que qui chaque secteur politique donc pas pays à priorité et qui fait appel à la transcendance. Donc pour dire que bon mettez tout intérêt mesquin sous côté pour être capable au moins sauver le pays. Je pense que c'est une question de tel ou tel ministère, tel parti politique qui parle de tel ministère. Je pense que c'est l'autre ministère donc, qui résulte au bras le bail. Je pense que je dis à la population, la situation li là, donc c'est résultat l'abton. Donc le groupe Mounzao qui prend le pouvoir là, donc il y a doué par résultat, parce que si vous échouez, donc c'est toute classe politique là, tant que j'aime tout, donc qui a péché et même international là tout a péché. Ou bah quoi c'est partage ministère qui va le faire durant la transition ça? Écoutez, pas aucun pouvoir qui va gagner un partage de responsabilité. Je pense que toute partie politique et appelé pour prendre le pouvoir. Je pense que son compromis qui mettait le pouvoir ça qui là. Je pense que c'est même compromis ça qui peut faire partage de responsabilité. Je pense que je dis, ce n'est pas question de garde. Je pose une question à Consapito, M. Bidfort Claude. Qui ça qui peut faire dans Zupao pour que une transition ça n'est pas favoriser tel groupe politique et puis défavoriser tel autre groupe politique? Je pense que c'est pour tout secteur politique donc, qui compose le conseil là, pour faire appel à la transcendance, donc pour pas payer à priorité. Je pense que pour quitter les intérêts mesquins de côté, pour pas payer à priorité. Je pense à partir de là, donc n'est-ce capable de résultat, à partir de là, donc n'est-ce capable et au moins soulager la population. Je pense que c'est ça lié. Et pour transition pas échouer, donc c'est peut-être pour nous mettre ensemble, donc pour nous capables et bons résultats.
Parce que vous trouvez pas les résultats. Nous avons temps pour nous parler des principes dans l'autre émission, mais je vais demander où c'est coordonnateur national, parti et politique principe, ou sous dire dans le pays. Comment vous dirigez le principe là? Et ma part très très prochainement, et très prochainement, je vais rentrer dans le pays. Donc, ou met espéré ça, et m'gè pou m'vin dans la radio, donc pou m'vin dans l'émission, donc pas trop longtemps, donc m'apprêter dans le pays. Tout baga ok, parce que vous avez quitté le pays en chambre en baliscade, qui sa statue Belfort Claudier, je vous dis, là-bas. Et Belfort Claudier toujours été Belfort Claudier, donc mm-hmm. nous avons étudié. Donc, m'pense statue a toujours été Bedford Claude. Donc, on connaît ici, donc nous pas levé dans le système. Non, ou sont exilés, ou sont moun qui vivent avec visa, ou sont résidents, ou sont citoyens américains. Et m'pense Bedford Claude son qui aime le pays. Et Bedford Claude son nèg qui croit dans le pays, et ça fait Bedford Claude toujours à goumen pour pas participation par le changement paysan. Je pense que je dis à Bedford Claude pas qu'un citoyen américain. Mais Bedford Claude, c'est un monde qui est légal, donc qui a rentré Haïti et États-Unis à n'importe qui. Eh bien, nous avons parlé des principes dans l'autre émission. Nous sommes vraiment contents pour nous faire parler ça. Principe prend position libre sous choix nouveau Premier ministre qui CP a choisi aujourd'hui. Et certainement, nous avons principe attendre publication ou bien arrêté qui nommé citoyen Garry Conille comme prochain Premier ministre pays. Et c'est ça, nous avons impatiemment parce que le pays n'a pas attendu. Côté principe, vous êtes là? Dans le nouveau gouvernement, ça? Je pense que le principe capable de rester comme observateur, donc nous, parce que tout le monde n'a pas qu'à en pouvoir, tout le monde n'a pas qu'à courir en de pouvoir, c'est pas dit, nous pas dit que nous n'avons pas qu'à sous-table de négociation, mais nous pas ouais tête nous en de pouvoir. Nous sommes plutôt bataille ou bien été bataille donc pour changer pays. L'emzou bataille, ça veut dire que garder les actions et garder l'action gouvernement pour le poser ou bien action et conseil présidentiel là et pour le poser et puis nous-mêmes n'a pris des positions etc. Donc et n'a pas participation non donc pour avancer. Merci en pile, M. Bedford Claude. C'est ton plaisir pour nous parler. Merci en pile. C'est ton plaisir pour moi. Merci beaucoup. À la prochaine. Voilà, nous avons parlé avec l'ancien commissaire gouvernement pour le prince M. Bedford Claude, qui aujourd'hui a la dirigeant parti et politique, qui présentait lui pas un monde qui sautait sous politique, lui présentait comme un militant, famille Lavalas, il était candidat en Babani ensemble, nous fort, pour première circonscription Port-au-Prince. Direction générale la OAVCT, dis-nous, spéciale fête des mères prolongée jusqu'au 4 juin. Spéciale fête des mères là, elle est prolongée jusqu'au 4 juin. C'est ça, Frisner Bernadel, qui est directeur général OAVCT1, lui dit spécial renouvellement police assurance nan, nan occasion fête maman, lui prolonger jusqu'au 4 juin 2024, qui donc mardi kap vin la. Donc c'est jusqu'au 4 juin 2024, c'est ça, Fritzner Bernadel, qui est directeur général office assurance véhicule contre tiers, lui-même lui fait connaître spécial fête maman, lui prolonger jusqu'au 4 juin 2024, côté soudoué 2 ans et plus, soit gain chance pour payer 1 an son spécial, qui était commencé dans date 24 mai, 4 août, 4 juin 2024. Prix coup de prendre devant, à le renouveler, police assurance, nous, nous devons 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et bien, gros spécial qui prolonge jusqu'au 4 juin.